Salut les gars et bienvenue dans ce guide de débutants sur FMA. Aujourd'hui, la tier list des personnages de rang SR que vous devez build et utiliser pour progresser rapidement dans le jeu. Sachez que les unités de soins sont, je pense, les unités sur lesquelles vous devez vous focaliser. Allez, c'est parti. On commence avec Winry. Sur son skill 1, elle n'a pas de temps de recharge, ce qui lui permet de toujours restaurer les PV de vos alliés. Et sur son skill 2, elle va pouvoir heal à hauteur de 80% jusqu'à 3 cases. Une autre unité de soins, Nox, qui peut prolonger les buffs et dans un autre sens, annuler les debuffs sur vos alliés. Ensuite, on enchaîne avec les unités offensives, à commencer par Gluton, qui est un tank par excellence, qui a peu de mobilité, mais qui peut provoquer de gros dégâts. Je pense que vous avez dû d'ailleurs le combattre dans le mode histoire, comme par exemple sur son skill 2, où il peut faire une attaque de zone d'une case autour de lui. Hawkeye, elle va elle améliorer la performance d'attaque des alliés et elle peut également se déplacer après avoir utilisé une compétence. Et on termine cette liste des unités de rang SR avec Fou, qui possède une grande mobilité, une grande puissance d'attaque physique, mais il peut aussi servir de debuffer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, donnez votre avis en commentaire, apportez votre soutien en vous abonnant à la chaîne et à très bientôt dans un nouveau guide sur FMA. Ciao ciao!